Quand il veut prendre la route, c'est en 4x4 que Andinguele a l'habitude de se préparer au périple. Pour affronter la forêt qui mène à sa ferme, le jeune entrepreneur enfile sa tenue de travail, ses bottes, son chapeau de fermier et ses lunettes de soleil. Car les 35 km à travers la broussaille n'ont rien d'aisé. L'état de la route en terre rend le chemin quasi impraticable, surtout en pleine saison de pluie. C'est au bout de ce sentier, au village Mounama, en pleine brousse, que cet ambitieux entrepreneur a décidé, il y a 4 ans, de se reconvertir en fermier pour exploiter autant qu'il le peut la terre et les eaux pour des activités agricoles et piscicoles. Depuis en 2017, lorsque nous avions commencé, nous n'avions pas tout ceci pour commencer à venir ici et se mettre et regarder les étangs ou nourrir les poissons. Lorsque nous venions au tout début ici, c'était une forêt. Et donc on venait au marché dans la forêt, je pense que vous avez vu la ferme, de l'entrée de la ferme jusqu'ici, on marchait pour venir voir. Et on faisait plus ou moins une étude de faisabilité. Ça c'était le moment le plus difficile. C'est là que j'ai découvert à quoi ressemblait un hectare. Nous avons tracé un hectare pour la première fois. Et on disait qu'il fallait plus ou moins dessoucher les arbres qui se trouvaient sur toute cette étendue. C'était pas facile. C'était pas facile, mais voilà. À part là, nous sommes lancés et nous avons pris goût. La route était devenue notre amie. Nous venons ici, il n'y a pas de réseau. Ça devient comme un refuge pour se refaire un peu les idées, pour trouver des forces pour continuer d'avancer. Eminenza, c'est le nom qu'il a donné à ce projet ambitieux, ou mieux, à cette ferme qu'il veut pourvoyeuse des denrées de première nécessité à une région qui en a du potentiel. Dans sa première phase, ce projet exploite principalement des étangs de pisciculture. Au total, c'est 24 étangs, déjà opérationnels sur les 54 construits dans le cadre du projet. Toutes les étapes de l'écloserie menant à l'obtention des alevins qui deviendront du tilapia après quelques temps se font dans ce local aménagé pour. C'est l'écloserie de la ferme où chaque fois, chaque semaine, nous produisons 2 œufs de tilapia qu'on récolte dans les bouches des femelles et qu'on amène dans l'écloserie ici pour les incuber dans les bocaux. Et selon la température, 3 à 4 jours, dès qu'il y a éclosion, les larves qui ont encore des vitellus, on les garde dans des bocaux jusqu'à ce qu'ils puissent terminer les réserves. Nous avons des larves qui quittent les bocaux et qui ont encore des réserves. Directement, ces larves, on les maintient soit pour les monosexes ou les sexes mixtes, parce que nous produisons des catégories d'alevins. Et dès que nous avons soit les monosexes que nous voulons produire, directement on commence à nourrir ces larves avec l'aliment monosexe. Et s'il s'agissait qu'on produise simplement les alevins mixtes, directement les alevins mixtes sont reconduits vers des étangs d'alevinage jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids d'un gramme. Et dans ce sens, on les met maintenant dans les gros étangs. Donc, pour les agrandir jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids de pré-grossissement de 30 grammes. Voilà, donc là nous sommes dans l'écloserie. Notre écloserie a été montée, ça fait maintenant une année et demie. Et la raison pour laquelle nous avons monté cette écloserie, c'est parce que nous voulions en fait augmenter le nombre d'alevins que nous produisons. Lorsque nous sommes entrés dans le business, nous avions remarqué qu'il y avait tous les alevins, on les prenait en zombie. Il y avait difficulté pour se procurer des alevins. Et comme nous avons beaucoup d'étangs, nous avons décidé de monter cette écloserie pour commencer à produire du poisson à partir d'ici. Aussi pour les suivis des travaux. Parce que si moi je quitte, une autre personne entre au travail, doit trouver les choses correctement et doit suivre selon les dates. Donc je ne dois pas lui laisser des instructions, soit par téléphone, mais lui-même envoyer les dates fixées déjà sur les bocaux. Il doit se dire que non, ces alevins
mérite soit tel traitement, tel traitement. Le système de recirculation ainsi que la filtration de l'eau pour garder les étangs piscicoles propres reste une spécialité pour cette ferme. Donc ici nous sommes du côté du système de filtration des 5 étangs que nous avons là-bas. Donc nous commençons avec le premier filtre que vous voyez ici. Là c'est un filtre mécanique. Comme il y a 5 étangs de recirculation, nous avons décidé d'agrandir le filtre mécanique. Donc il y en a plus ou moins 4 comme ça. Et puis à la fin, de ce côté, vous verrez que nous avons un filtre biologique. Et dans chacun de ces filtres ici, nous voulons en fait la chose qui purifie l'eau, c'est les bactéries que nous créons à l'intérieur. Ici, nous créons des bactéries que nous appelons des nitrites, ils permettent de purifier l'eau. Et puis après, dans les filtres biologiques, nous avons des bactéries que nous appelons les nitrates. Le dernier bac ici, en fait, ça c'est le bac réservoir. Et à l'intérieur, nous avons mis une pompe submersible qui nous permet de renvoyer l'eau directement dans les étangs. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a le tuyau ici qui ressort. Et ce tuyau nous permet de renvoyer l'eau directement dans les 5 étangs. Et ce système reste fonctionnel 24 heures sur 24. Une fois ces différentes étapes respectées, c'est du tilapia frais qui ressort des étangs et c'est au tour des pêcheurs d'entrer en action. Un projet louable que Andy Ngele mène à bien. Malgré quelques difficultés rencontrées, le jeune entrepreneur compte toujours sur le soutien et la solidarité de son équipe pour qu'ensemble, ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Tout ce que vous voyez ici, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai fait avec une équipe, car moi-même je suis financier de formation. Et donc lorsque j'ai décidé de me lancer dans ce domaine ou dans cette aventure, nous avons formé une équipe. Et avec cette équipe, nous avons commencé à évoluer petit à petit. Donc c'est là que moi j'ai appris toutes les informations, tout ce que je sais sur la pisciculture, sur l'aquaculture et les poissons. J'ai appris ça dans le tas. Et donc c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être là où nous sommes. Et je continue de chercher encore d'acquérir plus d'informations et plus d'expérience afin que le site puisse voir le jour encore dans d'autres provinces. Pour en arriver là, c'est déjà un parcours du combattant dans une société où l'entrepreneuriat est une affaire individuelle. Seule une bonne gestion a ainsi permis à cet entrepreneur de voir son projet connaître une croissance significative. La procédure, elle est faite comme telle. Nous avons d'abord trois agronomes formés qui constituent le noyau même de la ferme et à leur tour, qui sont aidés par 28 journaliers avec qui nous travaillons et que nous avons récemment formés pour assurer la bonne marche de la production de nos poissons. C'est notre activité principale, nous sommes dans le poisson, mais vous avez vu l'étendue, il est très grand. Nous avons des projets en agriculture avec notre ingénieur André. La commercialisation est un autre atout pour cette ferme qui dispose de plusieurs services de livraison à domicile pour sa clientèle. Même si, à long terme, l'objectif est de couvrir le marché local à travers le circuit de distribution ordinaire. La commercialisation de produits, bon, nous faisons notre publicité plus en ligne avec le WhatsApp. Et aussi bon, de bouche à oreille avec nos proches. Et là, quand nous avons des clients, ils passent leur commande à partir de chez nous. Et nous, quand nous prenons la commande, nous faisons tout pour livrer aux clients. Le poisson, il est frais. Il est frais. Il est pêché. En tout cas, il est vraiment frais. Pour le feedback que nous avons, notre poisson est très apprécié. D'abord parce qu'il est frais et deuxièmement au niveau du goût, on n'a pas de retour négatif, les gens apprécient beaucoup notre poisson et ce qui fait que nous augmentons notre capacité de vente par semaine où dans un premier temps nous étions à 50 kg d'écoulement de poisson par semaine et là nous allons
atteindre la barre des 100 kg et plus. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons de la production des poissons. Vous avez été dans l'écloserie, vous avez vu tout le processus, d'où nous venons, la récolte des œufs. Nous passons à l'étape d'alvinage. L'étape d'alvinage, nous passons aux poissons de grossissement jusqu'à l'écoulement, jusqu'à la vente. Et nous, nous demandons à nos clients de nous faire d'abord confiance parce que lorsque nous vendons, les gens mettent en cause la fraîcheur de notre poisson. Ils veulent voir d'où est-ce que ou comment est-ce que nous nous organisons pour produire du poisson. Mais là, avec votre venue ici, je crois que vous avez pris les images, ça leur réconfortera dans leur choix, dans le choix qu'ils font. Ils vont nous faire plus confiance de la chaîne de production jusqu'à la chaîne d'écoulement du poisson. Le souci pour ce jeune entrepreneur est donc de livrer sur place à Lubumbashi, mais également dans les villes et provinces environnantes. Si vous cherchez nos poissons à Lubumbashi, vous en trouvez rien qu'un seul coup de fil et vous serez servi. Ou encore, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez la ferme Eminanza, vous allez voir et vous pouvez envoyer un message, nous allons vous répondre directement et nous allons organiser pour vous la livraison. Cette ferme a pour vocation au moins d'atteindre ou de nourrir le un quart de la province du Haut-Katanga. Donc c'est un grand projet, et notre objectif c'est vraiment de servir la communauté. On est là pour la communauté. Et on ne pense pas s'arrêter, on va aller jusqu'au bout, fournir le poisson dans toute l'étendue de la République. Nous le faisons déjà à Kinshasa, Kolwezi, Likasi, c'est des villes voisines, mais ce qui nous réconforte, c'est qu'on expédie au moins tous les deux mois plus de 80 kilos à Kinshasa. Et ça, ça nous encourage, dans le sens où on se dit que petit à petit, nous allons atteindre toutes les couches sociales de notre pays, et pourquoi pas la province elle-même déjà. Petite sorte de visite avec quelques grands clients et avec quelques personnes qui seront tirées au sort pour commencer à venir visiter la ferme et voir d'où est-ce que le produit vient afin que nous puissions gagner leur confiance et afin que nous puissions vraiment servir tous les foyers qui se trouvent à Lubumbashi. Car c'est vraiment ça notre objectif. Nous voulons vraiment servir tous les foyers à Lubumbashi avec du poisson frais, que ce soit des poissons de petite taille ou de grosse taille selon le besoin du client. Depuis le début de ce projet, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Si nous n'avions pas rencontré, je pense que nous ne serions sûrement pas les seuls à avoir un site comme ça. Les difficultés que nous avons rencontrées, Dieu merci, nous les avons surmontées les unes après les autres. Et nous continuons encore de rencontrer des difficultés. Je pense que si vous regardez tout autour de vous, vous remarquerez qu'il n'y a pas de courant. Il nous faut avoir de l'eau dans nos étangs, il nous faut avoir des oxygénateurs qui tournent. Et il y a tout plein de choses dont nous avons besoin. Pour les entrepreneurs qui ont encore peur de se lancer dans n'importe quel domaine, moi je dirais qu'il faudrait d'abord se lancer, se jeter à l'eau et se dire que voilà, soit je veux mourir en traversant cette rivière, ou bien je vais apprendre à nager, et lorsque je vais atteindre la rive, je reviendrai en tant que maître des deux côtés, quoi. Parce que lorsque je me suis lancé dans ce projet, je ne connaissais rien sur le poisson. Je me rappelle la toute première fois lorsque j'ai expliqué le projet à quelqu'un qui était du domaine et je lui ai dit voilà combien de temps nous allons prendre pour ne serait-ce que creuser un étang ou pour réaliser la moitié de ce projet. Lorsqu'on m'a dit nous visons plus ou moins 9 mois et ça s'il n'y a pas beaucoup de difficultés en route, j'étais découragé, j'étais abattu, je suis rentré à la maison. J'ai réfléchi et puis je me suis dit mais si ça prend 9 mois, je pense que c'est faisable vu que je n'ai pas de connaissances. Au cours de ces 9 mois-là, je pourrais réunir tout ce qu'il faut réunir, les partenaires, la motivation et l'équipe qu'il faut pour m'accompagner dans ce projet. Et je pense que c'est ce qui fait la force de notre ferme jusqu'à aujourd'hui. C'est que nous avons commencé avec une équipe et nous avons gardé plus ou moins 80% de notre équipe qui nous a accompagnés et avec qui nous avons fait le long chemin pour arriver à faire ce que nous avons fait. Donc ça, c'est si on m'avait dit que je ferais quelque chose comme ça il y a 4 ans, je pense que j'aurais rigolé aux éclats et j'aurais dit que c'est faux, quoi. Mais donc, jamais j'aurais pensé faire quelque chose comme ça. Et un grand merci à toute l'équipe pour ce travail que nous avons accompli. Nous avons aussi un peu de très bien protégé qui est en train de se faire. Même dans le Lubumbashi, nous avons aussi se déplacer tout le temps. Nous avons aussi un peu de temps. Nous avons aussi livraison à domicile. On a monté la chasse. Moi, c'est
C'est Maman Jolie, je suis une des clientes de Eminence Ferme à Lubumbashi. Et vraiment, j'achète mes poissons là-bas, surtout les tilapias. C'est vraiment une bonne qualité, c'est bio. En tout cas, moi j'aime ce qui est vraiment nature. Et je vous dis, vous ne serez pas vraiment dessus. C'est la qualité. En tout cas, vous épicez ça à la congolaise et c'est quelque chose que vous pouvez manger de lundi à dimanche. En tout cas, je vous encourage de chercher la ferme Eminence et supporter, soutenir les Congolais qui font de bons business. Avec plus de 28 étangs possédant des géomembranes, Eminence est prêt pour l'élevage des poissons tilapia. Au-delà des 24 étangs déjà en cours d'utilisation en Dinguélé, ne compte pas s'arrêter là. Ce jeune entrepreneur a l'ambition d'étendre la ferme et embrasser de nouvelles activités dans le secteur de l'élevage, de l'agriculture et même de la pisciculture dans les jours à venir. Dans la ferme pour le bien de la communauté.